Là, on se retrouve pour une nouvelle étape de montagne des Alpes. Donc, on va essayer de franchir le col du Télégraphe, le col du Galibier, et le col de je sais pas quoi. Bon, on verra ça. Donc, on va partir de la Mue et on arrive à Serre Chevalier. Donc, l'objectif du jour, c'est de garder le maillot à pois porté par Romain Bardet. Et je sais pas s'il y aura le on président de la République. Sur cette étape, et c'est raté. Bon, c'est dommage. On verra ça. Donc c'est dommage, ouais, parce que là, comme c'est dommage. C'est dommage. Eh ben oui, on n'a pas pu y aller. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, hop. Deux petites secondes. Bon, ah, désolé. Oh, désolé. Bon, qu'est-ce qu'on a? Allez, hop, on va continuer la partie. Donc, alors, on j'étais dans le mondial. Donc, ouais, on n'a pas c'est dommage. pu y aller. C'est dommage, chef. Ouais, parce que là, on veut limiter la catastrophe. Donc, le... Non. Donc, l'objectif du jour. Donc, classement, ça peut changer. Donc, Tom Dumoulin en maillot jaune. Romain Bardet en maillot à poids. Donc, l'objectif du jour, c'est de garder le maillot à poids de porté par Romain Bardet. Donc, Tom Dumoulin qui est maillot vert devant Peter Sagan qui est second. Donc, bon, ça va être chaud tendu. Pierre Latour aussi, donc ça c'est, je pense que ce sera mission accomplie pour jusqu'aux Champs-Élysées. Donc, classement par équipe AG2R le mondial. Bon, ça a pas changé comme d'habitude. Et c'est il y a un petit changement au classement de la combativité. Donc Cyril Gauthier qui s'est retrouvé deuxième du classement. Donc comment il s'appelle, Jean Lebon là, bon, qui se trouve premier avec 523 km. Donc bon, allez, rechargeons les batteries à bloc. Donc ça sera deux jours d'étapes de montagne. Donc aujourd'hui on va faire la Mure Serre Chevalier et demain ça sera Briançon Issoire. Donc c'est parti les amis. Donc petit briefing avant de monter les trois cols. Hop, une étape de 184 km. Donc allez, go. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Je ne me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on est en mesure d'accompagner les meilleurs et de jouer le podium de l'étape. Bonne journée les gars. Donc attention, parce que la dernière étape, il y a quoi? Il y a le col du Télégraphe, le col du Galibier, et l'autre, il y a quoi? Il y a un autre col de hors catégorie, donc faudra marquer 50 points de plus, 50, voire 60. Donc il faudrait qu'on fasse premier par Romain Bardet, donc il faudra le mettre devant. Donc allez, hop, on va jouer ça. Soyons fous. J'aimerais bien voir si
si le lave marche bien. Alors, il faudrait que je regarde de mon côté. Hop. Alors ça, donc remets, bardé, conservé, allez pose vivo, donc il faudra finir les 15 premiers de l'étape, bon ça va être un objectif à faire, donc l'autre conserver le maillot blanc, ça c'est acquis, après le reste, Cyril Gauthier prendre l'échappée du jour, donc allez, hop, on va essayer de prendre Romain Bardet. Bonjour à tous, avec des cols aussi prestigieux que la Croix de Fer, le Télégraphe et le Galibier, il est évident que les grimpeurs penseront aujourd'hui à la victoire d'étape. Ah, c'est la Croix de Fer, le premier. Certains ont même sans doute des ambitions pour renverser le classement général ou au contraire, l'envie de confirmer leur suprématie. Continuez comme ça. Allez, c'est parti les amis. Donc il faudra prendre l'échappée du jour. Donc hop, s'accrocher sans limite. Donc il faudra qu'on attaque. Pozzo Vivo, lui, bah, on va aller attaquer, mais après le reste okay. Va rester à l'abri. Je vais attaquer. Donc hop. Allez, mes copains. Allez, mes copains. Aujourd'hui, cette Doucement. Étape ne devrait pas intéresser que les favoris du classement général. Avec une arrivée en descente, les baroudeurs ont plus de chances d'aller au bout et de jouer la victoire d'étape. Les coureurs qui visent le maillot à poids seront eux aussi intéressés car il y a pas moins de 65 points pour celui qui passera en tête au sommet de toutes les difficultés du jour. Attention, parti, donc je pense que Pozzo Vivo, l'autre il est parti. Alors groupe Bardet, donc on est à la suite, donc hop. Allez, hop, je vais mettre un peu devant. Moi, c'est ce que j'aimerais bien, c'est de voir si ça marche bien. Moi, je pense que ça marchera bien. Bon, allez, on va essayer de voir. Ta poursuite, car tu fais partie des favoris pour cette étape. C'est peut-être un peu tôt pour se donner à fond. Allez, tiens, regarde-moi ça. Allez, on est à peu près à 43 secondes du peloton. Donc, on va essayer de franchir le col de deuxième catégorie. Donc, le deuxième catégorie qui vaut combien 5 points. Donc, il y a David Pozzo Vivo qui est devant nous. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a dans le groupe romain de chez Romain Bardet là, qu'est-ce qu'on a? On a Cyril Gauthier, ouais, super. Donc on aura l'échappée du jour. Alors faut attention à Thibaut Pinot. Donc le pauvre, c'est il n'en pouvait plus. Et on va monter. Il devrait faire rouler tes équipiers derrière toi. C'est peut-être un peu tôt pour attaquer, sauf si tu comptes durcir la course. Ah, faudrait que je roule derrière moi. Bon, faut faire attention parce qu'il y a l'énergie. Alors, après il faudra redescendre. Après il faudra monter le col de la Croix de Fer qui vaut 25 points de plus. Dès que la route s'élève. Par contre, dès que ça descend, son pilotage n'est vraiment pas super. Attention, hop, on va descendre. Après, on va essayer de voir avec Pozzo Vivo. Donc, on va monter ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va essayer de monter ça. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Hop, Thibaut Pinot. Tiens, on va essayer de recharger. Donc, ouais, c'est bon, je pense que ça marche bien. Alors, hop, on va essayer de fermer ça. Alors, tac. Voilà.
faire attention à ça, mais après il faudra redescendre et après monter le col de la Croix de Fer. Là on va monter le code de la Croix de Fer. Donc là on a Cyril Gauthier, on a Thibaut Pin, on a le Pozo Vivo qui est côté de nous. Donc on a Romain Bardet, donc pour Romain Bardet pour hop, pour le maillot poids. Attention, hop, on va essayer de voir Cyril Gauthier. Hop, on va essayer. Attention. L'échappée n'arrive pas à creuser l'écart. On n'arrive pas à creuser l'écart, donc on est à peu près à 42 secondes. Mais par contre, ça va casser la figure après. Là, on est en train de prendre l'échappée du jour. Mais par contre, pour Romain Bardet, ça y est, hop, donc on va essayer de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en tête de la course? Thibaut Pinot, Janasson, ouais, attention Arnold, attention Anthony Martin. Bon, il n'y a pas gros de danger. Là, on est en train de monter le col de deuxième catégorie. Faut faire attention à ça, faut faire attention à l'énergie. Donc je crois qu'il y aura deux. C'est bien parti. Je crois que Thibaut Pinot est en train de hein. Voilà. Donc le col d'Ornon sera la première difficulté. Ça, c'est le col d'Ornon. Simple mise en jambe. Voilà, donc il reste encore 5 km. Ce sont la Croix de Fer et le Galibier. Après, il faudra descendre. Donc, ça vaut combien? 4 points, 2 points, 2 points de plus. Donc, que ce soit sur les étapes de montagne ou sur les étapes vallonnées, il est à prendre avec sérieux car il grimpe très bien. Attention. Se sont lancés à ta poursuite car tu fais partie des favoris pour cette étape. C'est peut-être attention, un peu tôt pour oui, parce que là je suis favori pour le maillot à poids, donc préfère garder les avances. Donc là il reste encore 3 km, 3 600 km, 3 500 km. Donc Janasson qui est cuit là. Attention, Janasson qui est cuit. Donc là, qui c'est qui est devant? C'est Tony Martin. Attention, que je vais faire un coup de moins bien. Alors, donc après, il faudra que je descende un peu la montagne d'Ada. Ouais, ça va être la journée la plus longue. Il devrait faire rouler ses équipiers derrière toi. C'est peut-être un peu tôt pour attaquer, sauf si tu comptes durcir la course. Attention, donc il faudra marquer des points. Alors, donc... il y a Nihiro Kitana qui derrière moi. Alors, donc hop, je vais essayer de voir ça. Là, on est à peu près à 2 km. 2 km, Tony Martin qui a 2 km. Là, le peloton arrive. Allez, on va essayer
de recharger ça. Oh là, il est dur, il est dur, Tony Martin. Pour conforter notre place de leader. Donc on va garder le maillot pour le contact de leader. Attention, derrière, derrière ça va être un peu de la casse. Donc hop, on est à peu près à 1 km du sommet, du premier sommet du col d'Ornon. Attention, donc faut pas trop attaquer parce que sinon sinon ça va être mal. Allez, hop, on est à peu près à 500 mètres, hop, on arrive au drapeau. Allez, on va consommer un peu d'énergie, après il faudra recharger un peu les batteries parce que la deuxième code de difficulté là ça va être chaud. Excellent. Tendu. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Allez. On continue notre avance, donc hop, on va essayer l'aérodynamisme. Notre aérodynamisme, donc il faudra recharger un peu l'énergie parce que là, on aura un autre col à difficulté à monter, donc là, c'est le col de la croix de fer. Donc hop. Attention virage, on relance la machine. Salut Breton, comment vas-tu? Alors, est-ce que le live marche bien quoi? Allez, hop, on va monter l'aérodynamisme. Donc on est à peu près à 68, 74, 75. Hop, l'énergie augmente. Comme ça, on aura un peu l'aérodynamisme. C'est peut-être un peu tôt pour attaquer, sauf si tu comptes durcir la course. Attention, justement, c'est nickel. Donc là, ça y est, là, j'ai changé ma boxe. Pour l'instant, parce que la bonne échappée n'a toujours pas pris coup de foudre. Il y a Roland qui est là. Je sais pas s'il est là en vrai. Mais bon. Attention, on est en tête du peloton. Oh là, il y a Groupino qui est mal. Après, je crois qu'il y a Samuel Doulin. Donc lui, c'est mort pour lui. Aujourd'hui et aussi pour demain. Ah, Pierre Latour qui est à côté. Donc on va conserver aussi le maillot blanc du meilleur jeune. Bon, ça va. Si c'est nickel, c'est nickel. Là j'ai grimpé 5 points de plus pour conserver le maillot à poids, donc il faudra marquer 25-50 et à peu près, allez, 25-50, allez, 60 points de plus. Le peloton arrive au sprint intermédiaire. Là, on arrive au sprint intermédiaire. Ce sont les 15 premiers qui marqueront des points lors du sprint intermédiaire. Le premier empochera 20 points. Et faut faire attention aux favoris. Donc on va essayer de passer les favoris, donc les sprinteurs qui sont devant, pourvu que ça dure. Bon, espérons que ça dure. Espérons que, bon, s'il y a un orage qui se prépare, c'est de suite que je coupe le live et je coupe et que je débranche la livebox, quoi. Parce que là, c'est franchement, c'est vrai qu'on n'y pense pas, quoi. Bon, en fait, moi ça a été rapide, quoi. Là, je suis pas passé au 39.00, moi j'ai fait, vous savez, par Twitter. Donc, si vous avez un problème d'internet, si vous avez un problème de. Un problème qui compte, hop, Peter Sagan là, il est en train de lancer le sprint, donc on va essayer. C'est pas fini, ça contre-attaque.
Donc Peter Sagan, là, il est en train de grappiller un peu les points, mais par contre, à la fin... Ouais, nouveau leader pour le maillot vert. Par contre, est-ce qu'il y aura des... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cummins, alors, est-ce qu'il n'y a pas trop de danger? Non, pas trop de danger. Alors, attention, là, on va bientôt monter le col du Croix de Fer. Donc, hors catégorie qui vaut combien? 25 points de plus. Donc, il faudra marquer un peu plus de points pour garder le maillot à poivre porté par Romain Bardet. Surtout qu'il passe les bosses correctement et qu'il n'a pas intérêt à attendre le sprint vu sa donc là, il est parti, là, il est en tête de course, là, il est bien parti. Donc, il a à peu près une 17. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. 1 minute 30 en faveur de l'échappée, c'est peut-être la bonne. Ouais, c'est peut-être la bonne, donc peut-être la bonne Cummins. Alors, Cummins, lui, il avait 7 points, donc il n'y a pas trop de danger. Nous, on est à peu près à... Allez, à peu près, nous, on est à peu près, nous. Alors, Romain Bardet, nous, je suis à peu près à 118 points. Donc, si les je veux... Les premiers rangs du col de la Croix de Fer ouais. Se profilent pour faudrait l'échapper. Voir ça. Donc, on va monter à la Croix de Fer, donc bientôt. Allez, on est parti. Donc, on va monter ça à 24 km. 24 km 700. Donc, il faut faire attention aux favoris. Il faut faire attention aussi à l'énergie. Katowski, il y a Romain Feillu. Allez, hop. On va essayer de monter ça. Tranquillote de chez Tranquillote. C'est incontestablement le gros morceau de la journée. Avec 24 km d'ascension, l'écrémage s'annonce terrible. 24 km d'ascension. Parce que ça va être le plus dur. Bon, vu qu'on a un peu le régulateur en route, donc on n'a pas besoin de monter. Alors, sinon, là, on est à peu près à la moitié de. On a bouffé à peu près la moitié du gel bleu. Là. Donc, le gel bleu, c'est pour l'énergie. Et le gel rouge, c'est la jauge d'attaque. Donc la jauge d'attaque ça va à peu près donc allez si on peut donc faut pas trop attaquer au début ouais donc il est à peu près à 2,23 2,20 et là il y aura de la casse. Outre ses forts pourcentages, l'ascension présente la particularité d'offrir à deux reprises un moment de répit aux coureurs avec à chaque fois une courte descente. Pas de quoi toutefois rendre la montée plus paisible. Allez. On va monter. Allez les gars, allez. En espérant que ça attaque plus en Salut Stéphane, bienvenue sur le stream. Là on n'est pas à peu près la moitié, donc je pense qu'il y aura peut-être. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Il n'y figure aucun favori, donc aucun danger pour nous. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Allez,
allez. En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire d'effort. C'est bon. Voilà, attention, Nairo Quintana. L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune. Les échappés auront du mal à aller au bout. Nairo Quintana. Quintana, lui, il a 30 points. Moi, j'en ai 118. Donc, il n'y a pas trop de danger particulier. Par contre, il y a Cummins, il est à peu près à 27 points. Donc, moi, j'en ai à peu près 118. Hein, donc, il y a 27. Alors, 25 plus 25, ça fait 50. 50, 60, 80. Donc, il faudra voir si on arrive second. Donc ça ferait combien de points pour le second? Faudra voir ça. Donc hop, allez voir une petite descente. La tête de la course entame maintenant la seconde partie de l'ascension. Et il ne faudra pas se tromper de braquet car avec 1 km à plus de 11%, c'est probablement maintenant la rampe la plus exigeante de la course. Un peu près d'énergie, donc il faut faire attention. Hop, on va relancer d'à peu près la machine. Allez, donc on va monter la deuxième partie de difficulté, après ça sera une descente, après ça sera la petite dernière. Et après on redescend tout ça la montagne à dada. Attention à Philippe Gilbert, donc il n'y a pas trop de difficulté. Bennett, lui, il n'a pas marqué de points. Katowski non plus, faut faire attention à Chris Froome, à Genzi, Arnold Johnson, faut faire attention au gazier. Donc là je suis en train de voir s'il y a les points du classement du meilleur grimpeur. Donc j'ai marqué 5 points pour le premier sommet. Après là je suis en train de monter au col de la Croix de Fer. Attention, hop, on va monter un peu plus, hop, on va monter. Allez, parce que là, il y a la casse à prévoir. Attention. Le peloton roule fort, restez bien placé. Attention. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Nairo Quintana, attention à lui. Allez, hop, on va essayer de ralentir l'allure parce que le col il est un peu long. Là, je suis à peu près avec Quintana, Nairo Quintana, lui, je pense qu'il y a pas trop de points. Donc, Quintana, lui, il a 30 points. Faut faire attention. Hop. Allez, je reviens avec le peloton. Donc 15 km de l'arrivée, donc l'arrivée qui se fait à la descente de Serge Chevalier. On va essayer de marquer un maximum de points pour garder le maillot à poids porté par Romain Bardet. Donc c'est l'objectif du jour.
Donc il y aura encore demain. Donc demain ça sera l'étape 18, donc Briançon Issoire. Donc l'arrivée se ferait en montée à Issoire. Après ça sera je pense que ça sera bon. Allez, hop, on va faire encore une petite descente avant d'arriver. Arrivé, donc hop, on va essayer de. Il y a pas une petite descente. Bon, je pense que là on va encore de retaper la dernière montée. Oh, attention là, je vois le coureur en vue. Je vois comment il s'appelle, Cummins qui est en vue, donc on est à peu près à 1h34 et je pense que là c'est. Ça y est, c'est fini pour lui. Ouais, c'est bien calme tout ça. Ça a été fini, donc il y aura encore. Voilà, si la descente. Donc s'il faut marquer 25 points de plus, bon non. Comme ça, ça sera bon. Après. Ça sera une descente, donc voici la descente. On va essayer de. Celui qui passera le premier au sommet empochera 25 points supplémentaires. Allez, pour le maillot à poids. On va passer l'aérodynamisme avant de monter la dernière. Donc il reste encore 5 km du prochain sommet. Allez, hop. On a vidé le gel bleu. Allez, zou, on va avancer. Donc là, si lui il passe 20 points, donc si je suis de second, donc je vais passer 20 points. Donc il faudra que je passe 25 points de plus. Attention, là je vais Cummins, hop, et là il est en train de. Ça y est, de souffrir. Donc moi attention, il me reste 3 km. Fois, il organise la poursuite car c'est dangereux. Et tente rien à rien. Attention, il y a la poursuite. Donc allez, hop, on va essayer de vider l'énergie. Vous avez 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Donc on a 30 secondes. J'ai 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Hop. Attention Cummins, là je suis en train de dépasser. Là, allez, hop, je suis à peu près à 3 km. Allez, 2 km 700. Allez, hop, je vais mettre un truc en max. Faut pas trop sprinter, faut pas trop bouffer de l'énergie. Ah, je vois le drapeau en vue. Ça y est, le drapeau qui est en vue en haut, là, de la croix de fer, ça y est. Allez, un petit effort, là, il me reste 1 km 700, donc j'ai encore de l'énergie, encore une grimpe. Hop, allez, hop, je vais passer la barre des 1 km. 1 km du sommet, ça use les souliers. Allez, 25 de points de plus pour Romain Bardet. Donc Martin, lui il a 21 de plus. 21, ça fait 20 plus 20, ça fait 40. Alors moi je vais faire 25 points de plus. Donc hop, attention. Roulement d'embour. 25 points de kilomètre de plus. Allez, hop. J'ai pas besoin de lancer le vélo. Donc allez, zou. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Donc voilà, ça y est, hop, on augmente un peu. Et là, on va laisser de recharger un peu d'énergie pour la descente. Romain Bardet fait partie de la jeune génération des coureurs français, capable de rivaliser au niveau mondial.
C'est un bon grimpeur, c'est un bon puncher, et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Voilà, donc c'est un bon puncher, un bon grimpeur, attention. Alors, je pense que je vais faire une petite pause parce que là j'ai ma manette qui est en train de... Un autre coureur en réserve capable de viser le général. Qui est très faible. Il faudra que je recherche un peu la manette. Donc, hop, ça roule fort. Vraiment. Là, je suis en train de rouler. Hop. Attention. Après la petite descente, je vais mettre une petite pause. Parce que là, je suis pour changer les manettes. Là, je suis à peu près à 66-75. Allez, hop, je vais essayer de voir ça. Il y a Marty là. Ah, il y aura la descente. Il n'y aura pas de monde. Je sais pas comment ils font pour la caravane publicitaire. Hop, on relance la machine. Voilà, attention, hop. Attention à la montée, donc hop. Attention à la montée, donc on va essayer de monter un petit col. Après, ce sera une descente, la descente de la croix de fer. Après, ce c'est sera. C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course. Attention, il y a Marty qui est devant. Alors moi la team c'est H2R mondial. Courage, allez, courage, on continue. Forza. Allez, hop, ça sera après. Hop, ça sera la descente. Le maillot jaune a rejoint la tête de la course. Ouais. La tête de la course, le maillot jaune qui est devant, la tête de la course, donc hop, on va essayer de descendre ça. À peu près à la moitié de l'énergie. Donc le peloton, on est à peu près une vingtaine de coureurs, parce que là, il y a surtout des lâchés. Hop, on va descendre, donc on va freiner, hop. Attention à la voiture rouge. Attention à la voiture du de la tête de. Oh là, faut faire attention à la voiture rouge, à la voiture Skoda. Ah, j'ai failli foncer dedans. Attention, là, on va faire un petit peu l'aérodynamisme. Hop, on va freiner. Hop, on va relancer un peu la machine. Hop, on freine un peu. On essaye de grimper hop, la petite dernière de difficulté. Et on va redescendre. Ouais, je pense qu'il y aura des lâchés. Délâcher, hop.
Allez, attention, on va monter, un peu monter, et après on va redescendre. Après, ça sera la petite descente. Hop, la dernière descente. On va recharger un peu. Attention à ça. Attention, il y a le maillot jaune, Tom Dumoulin. Hop. Allez, on arrive à la descente. Je crois que c'est la fin de la descente. On arrive au point de ravitaillement. Possible la montagne. Et après, on va monter au col du télégraphe, donc le prochain col. Ouais, là. Ouais. Là, on était à Saint-Jean-de-Maurienne. Ça va être une étape qui va rester dans les annales. Par contre, on va essayer de grimper le col du télégraphe. Ah, ensuite, le col du Galibier. Donc, le col du télégraphe qui vaut 10 points. Ensuite, 25 points pour le col du Galibier. Ça va être l'étape la plus dure. Pour marquer un peu plus de 2 points. Je vous rappelle là. Là, on est à peu près à 71 km. Allez les gars, courage! Donc l'arrivée se fera à Serre-Chevalier. Le chevalier servant. Donc là je mets toujours le régulateur. Donc hop. On va essayer de monter un petit peu là. Allez, 3-4-3-5. Donc il n'y a pas trop de difficultés, mais par contre les choses vont être plus dures, c'est de monter le col du télégraphe, ensuite le col du Galibier. Donc c'est pour ramasser des points d'avance. Donc pour non, j'ai pas envie de non, je simule pas, donc je vais faire l'étape du début à la fin quoi. Merci. Donc on est un groupe de 23 coureurs, parce que après derrière il y a des lâchés. Donc on est à peu près à un moment, il y a Romain Bardet, Poeta, Tom Dumoulin, Christophe Froome, Neiro Quintana, Alejandro Valverde, Richie Porte. Et après il y a le reste de la bande. Bon, ça va. Allez, bientôt on va monter le col du Calibier, le col du télégraphe. Ensuite, ce sera le Galibier. Là, on est à Saint-Michel-de-Maurienne. Hop,
un petit tour à droite et on va monter. Les premiers sortent maintenant de cette voilà, donc de on est à peu près à 11 km, 11 km pour monter ça. Juste après, ils sont donc partis pour 30 km d'ascension. Voilà, donc on est parti tous. Alors ça sera 30 km d'ascension, donc après il y aura une petite descente pour récupérer un petit peu. Ensuite ça sera le dévier le plus gros. Donc il faudra le code du télégraphe, c'est près de 12 km avec une pente moyenne supérieure à 7%. Donc ça sera 7%. Hop, pente moyenne de 7%. Attention, un semi-moulin. Attention, un Richie Porte. Hop, il faudra que je regarde les points. Donc Chris Froome qui lui il a 55 points, Richie Porte il a 68 points. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Ouais, le peloton donc là ça y est, ça a augmenté à 41. On est monté à 41, c'est bon. Ah, attention Michel Kwiatkowski à l'anneau. Le maillot jaune n'a pas forcément besoin d'attaquer. En fonction de son avance, il peut se contenter de suivre les attaques et de contrer en toute fin d'étape. Ouais, il faut faire attention à ça. Hop, on va monter. Hop, allez, allez. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Attention, le maillot jaune. Hein. C'est qui le maillot jaune? Il faut faire attention à ça. Alors, hop, on va monter ça. Mais après, il y aura le galibier, donc je pense 11 km plus. C'est 30, à peu près une vingtaine de kilomètres à franchir. Après. Donc, on va marquer 10 points de plus pour le maillot à poids là. Donc, vu que c'est le col du télégraphe, c'est le col de première catégorie. Ensuite 25 points pour le goal du galibier. Ensuite ça sera la descente. À Serge Chevalier, donc on est à peu près à 58 km de l'arrivée. Ça attaque un peu là, mais par contre faut faire attention aux favoris. Mais par contre au dernier ça va être méga dur. Allez les gars, vous continuez comme ça. T'es le plus fort. Non, il est pas le plus fort et il a pas de maillot jaune. Le maillot jaune, c'est Tom Dumoulin. Et oui, allez Romain, c'est bien. Comme ça, c'est les meilleurs grimpeurs du Tour de France virtuel. Je vous parle. Par contre, dans la vie réelle, c'est comment il s'appelle Warren Barguil. Allez, on est à peu près à 5 km du sommet du code du télégraphe. Donc je vous rappelle le premier catégorie qui va marquer 10 points de plus. 10 points. Après le second 8 points, le troisième 6 points, le quatrième 4 points, le cinquième 2 points, et le... etc. Donc 10 points de plus pour Romain Bardet, donc si on passe de tête, si on passe à la tête, donc
Donc ça attaque pas là, ça c'est bon. On est tranquille, on est à peu près à aller à 41 coureurs, donc 41 meilleurs grimpeurs. Allez, hop, on va monter ça. Donc il reste 3 km. Mais par contre, il y aura une petite descente avant la dernière montée là, du col du Galibier. Allez, hop, on va essayer ça. On va monter ça. Allez. On va mettre un petit poil sur les roues. Donc, hop, on va consommer un peu d'énergie. C'est pas grave. Après la descente, ça sera la montée finale. La montée finale. Non, je vais pas me relâcher. Donc, à peu près à 2 km 500. Ça va aller. Je vais monter le col du télégraphe. Donc, le col du télégraphe est qu'il faut 10 points. Allez, encore un effort. Allez, un petit effort. Pas trop d'effort, mais par contre, on est à peu près à 15 secondes. Après, il y aura une petite descente tranquille pour récupérer un peu d'énergie avant la montée finale. Au col du Galibier qui fait 2630 mètres. Allez, dernier kilomètre. Ça va, donc c'est bon, je suis le favori. Ça y est, hop. Il manque le drapeau. Le drapeau d'Amiens, le drapeau de chez Carrefour. Ah, Nairo Kitana. Allez, hop, on va monter ça. Après, on va descendre, on va récupérer un peu d'énergie, c'est bon. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Allez, c'est bon, c'est tranquille. Hop, Chris Froome, machin. Le groupe des favoris de 30 secondes. Allez, vas-y, continue. Attention, là, on va essayer de monter un peu. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. Allez, hop, on va prendre un peu d'aérodynamisme. Donc, on va monter ça. Allez, on va recharger ça. On va garder un peu le gel bleu. Mais par contre, il y aura la dernière descente. La dernière descente qui se fait. Hop. Et voilà. Donc, le col du Galibier qui fait 17 km 900. Donc, allez, l'ascension finale. Le pourcentage varie beaucoup et il est très difficile d'ailleurs d'y trouver son rythme. Un col en fait pour les purs grimpeurs. Attention, Nairo Kitana, attention. Donc après, je vais passer un peu les devants. Je vais passer les devants. Tom Dugoulin, faut faire attention à Chris Froome. Faut faire attention à ça. Allez, hop, on va essayer ça. Hop. Régulateur. Les pourcentages rencontrés lors de la première moitié de l'ascension sont relativement roulants. La pente ne dépassant que rarement les 8%. En revanche, la seconde partie est beaucoup plus exigeante, avec des kilomètres à plus de 9%, voire même 10% pour le dernier kilomètre. 10% pour le dernier kilomètre, donc ça va être chaud tendu, hein, là. Donc il faudra marquer 25 points de plus pour le col du Galibier. Donc on va monter ça tranquillement. Donc il faudra récupérer. Donc on a à peu près le gel bleu. Le gel bleu, il faudra que je garde un peu. Donc hop, on va essayer de monter ça. Il y a Roux. Maintenant, attention, il y a Lano. Allez. Soyons fous. Allez, on va manger ça. Donc, hop. Allez,
Allez. Allez, on fout. Donc là, c'est bon. Là, on est à peu près à 2-4 de 2. Donc c'est à peu près. Allez. Il était à peu près plat, mais après la deuxième partie, ça sera 9-10%. Donc, vu que le commentateur qu'il a dit. Soyons fous, soyons fous. Allez, c'est parti. Donc oh là, c'est la montée. Là, on est à peu près 7%, 7-8. Allez, on est monté. Allez, c'est parti. Là, on est à 8%. Je pense que là, il y aura des lâchés. Donc on est à, là, on est le peloton, la tête de la course. On est à peu près à 35. Les lâchés sont derrière nous. Je pense qu'il y aura des hors délai. Et demain, ce sera une autre paire de manches. Donc demain, ce sera Briançon Isoer. Donc avec une montée, la montée finale qui vaut 25 points de plus. Voire, je sais pas si les points seront doublés. Ça sera 50 points. Donc il faudra marquer 25 points de plus pour les Alpes. Donc on va essayer de garder le maillot à poids jusqu'aux Champs-Élysées. Donc ça, c'est mon objectif du jour. Garder le maillot à poids. Après, ça sera tranquille. Je pense que Pierre Latour, où est-ce qu'il est Pierre Latour? Non, il est pas là, Pierre Latour. Alors, Pierre Latour. Alors, Cyril Gauthier qui est là. C'est le groupe Gauthier qui est là. Le groupe Peter Sagan qui est là. Samuel Dumoulin qui est... ok. Donc, je pense qu'il est à peu près la descente. Et après, le reste, c'est tous les... Il y a les échappés, ouais, 39, le dernier, il est à peu près à les derniers, donc ils sont hors délai, donc ils sont à peu près 4 km 2. Avant d'entamer la partie finale du Galibier, donc beaucoup plus difficile. Là, on est combien? On n'est pas à peu près à 5 km, donc on va continuer. Donc voici le groupe des meilleurs grimpeurs, donc on monte un. Ah, on est à plein l'achat. Donc je pense que là, après, ça sera le plus dur. Après, la descente, ça sera à Serre Chevalier. Donc il reste 36 km de l'arrivée. Vive les Alpes! C'est beau, les Alpes! Vive le maillot jaune! Ah! Col du Galibier à 17, donc on a donc on va arriver à peu près la moitié. Hop. Attention à Simoniette. Oh là là, Simoniette. Donc, il n'y a pas trop de danger. Attention à lui. Le peloton roule fort, restez bien placé. Attention à lui. Continuez comme ça. Ah, le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Voilà, donc hop, on va réduire un peu l'allure, on va augmenter un peu l'allure.
Ça y est, c'est parti, donc on va monter. Ça y est, je vais rattraper Simon Jens. Allez les gars, bravo les gars. Donc hop, attention, hop, wait. Chris était le plus fort, donc Chris Froome n'est pas le plus fort, il a pas le maillot jaune. Donc oh là là, donc on est à peu près à Pouette est en train de, d'accélérer les choses. Il y a Chris Froome aussi qui est en train d'accélérer les choses. Hop, on va essayer de vider un peu le gel bleu. Donc il reste encore 5 km. Galibier bien évidemment classé hors catégorie. Il y aura donc des points à prendre pour les 10 premiers au sommet et 25 points même pour celui qui le franchira en tête. Donc il faudra 25 points de plus, 25 points de plus, attention à l'énergie. Donc attention. Attention à Tom Dumoulin. On est à peu près à 4 400 km. C'est pas le moment de se relâcher. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de relâcher, donc attention. Il n'y a pas des attaques. Allez les gars, allez les gars. Allez, hop. 3 km 900. Là on est à peu près à 6%, 6%. Allez, encore 3 km au col du Galibier. 3 km les gars, 3 km, allez les gars. Donc on va marquer 25 points de plus, si on va essayer de marquer 25 points de plus. Donc il lui reste à peu près un quart de l'énergie, donc faut pas trop donner. Alors, donc faudra accélérer les choses à peu près à 1 km, au dernier kilomètre. Donc après, il faudra tout donner. Après, ça sera la descente à l'arrivée à Serge Chevalier. Allez, donc 29 400, 29 300, donc 2 km. Donc il y en a à peu près à 2 km. 2 km, donc il y a du monde, ça y est. Attention à Tom Dumoulin, le maillot jaune. Allez les Français, allez, je suis Français. Ils ont marqué des points pour le maillot à poids. C'est indispensable pour conforter notre place de leader. Eh oui, on va aller. Allez, hop, on va monter ça. Attention à Chris Froome. Allez. Attention, on va tout donner, donc on est à peu près à 600 mètres, 500 mètres, donc là, ça y est, hop, là je suis en train de mettre le truc au max. Allez, attention à Chris Froome, hop, on va sprinter, ça y est, c'est parti. Allez, c'est parti, attention, hop, allez, c'est bon, ça c'est passé, donc c'est bon, allez. Allez, on va descendre, on va recharger un peu d'énergie. C'est bon. Hormis les décès, c'est bon. Renverser l'ordre, machin, patati patata, bon, c'est bien. Allez, donc on va essayer de voir le classement général. Allez, donc là. On va mettre des bouchées doubles, donc peut-être qu'on va faire la troisième étape. Hop. Hop, on est à peu près à 23 km, donc on va essayer de relancer la machine.
Attention, on va essayer de lancer la machine. Attention, hop. Là, on va passer la barre des 20 km. 20 km. Pour le leader de l'étape. Donc, on va essayer de faire la troisième étape, le vainqueur de la troisième étape pour Romain Bardet. Donc, on va conserver. On va conserver le maillot à poids, donc il faudra regarder le classement général. Hop, je mets la machine à fond. À peu près 20 km, donc hop, on va essayer de faire ça. Allez, 70 km/h. Donc on est à peu près à 12 km de l'arrivée. Allez, on descend de la montagne. On est à peu près à 73 km/h. Allez, on passe la barre des 10 km de l'arrivée. Donc hop. Il reste encore 10 km pour reprendre du temps. Ah, Alexis Villermoz, tiens. Ouh, alors, qu'est-ce qu'il y a, Alexis Villermoz? Alors, Alexis Villermoz, si tu veux attaquer, oui, si tu veux attaquer, alors il y a Pierre Latour. Oh, tiens, soyons fous, tiens, on va attaquer, tiens. Ok, allez, on va attaquer. Hop, soyons fous. Donc, peut-être qu'on aura deux victoires à la française, le premier et le second. Tiens, soyons fous. En tant qu'il y a Pozo Vivo, il y a c'est du monde. Allez. Plus que 5 km pour la tête. 5 km pour la tête, tiens. On va essayer de choper un trophée aussi. La tête de la course est de 30 secondes. Allez, 30 secondes. Entre l'échappée et le maillot jaune. 30 secondes d'échappée. Oh, attention. Son avance sur le groupe maillot jaune. Oh, attention, Alberto Contador. Attends. Suffisante maintenant pour aller au bout. Il reste encore 3 km pour les hommes de tête, mais malgré le profil montagneux de l'étape, eh bien c'est au sprint qu'ils vont devoir se départager. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Oh, attention, 2 km de l'arrivée. Hop, là je suis à peu près, allez, ça y est, c'est bon, c'est fini pour moi. Donc là t'as 1 km, donc l'échappée à 1 km, donc on va voir allez, deux étapes en vue, ça y est, 400, 300, 200, ça y est, c'est bon, il y a le Belkélens, il y a tout ce qui vaut, ça y est, peut-être la troisième victoire pour Romain Bardet, mais ça m'étonnerait, donc hop, allez, zou. Ça a l'air d'être en rouge, lève le pied si tu veux. Ouais, c'est bon, j'ai... Je suis peut-être dans le rouge, mais bon, ça y est, je suis arrivé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je termine l'étape ou... J'ai vu un drapeau breton. Où est-ce que tu as vu un drapeau breton, mon breton? Hein? Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait? On finit avec Cyril Gauthier? Allez, donc, on va contrôler Cyril Gauthier. Il est où? On va avoir une défaillance. Oui, là il est à peu près, toi dans le rouge, de devoir avoir une défaillance. Bon, ça, on s'en fout, on est arrivé.
Alors, donc, allez, parmi les spectateurs, donc, attends, on va essayer de voir. Donc, allez, donc, on va aller faire 13 km. On va finir avec Ciel de Gauthier, donc, il est à peu près derrière. Après, il faudra finir aussi avec Samuel Dubounet. Allez voir ça. Contador, Thibaut Pinot, Yates, Bacchelant, Potovivo, Anthony Geniez, Mathias Franck, allez, Chavez, Formoto, Poète, Poète, Isagir, Pierre Roland. Salut Alex. Salut Axel, pardon, excuse-moi. Bienvenue sur la chaîne. Comment ça qu'il est trop d'art? Non, il est pas dur. Hein, quoi. Allez, donc on va finir l'aventure avec l'autre. Comment il s'appelle? Cyril Gauthier de l'EG2R. Wow! Bien, merci, tu m'as donné 10 euros, ça y est, merci. Allez, 5 minutes, donc, allez, on va terminer ça en beauté. Après 5 minutes de boulot, le sprinter aussi. 4 km de son, 4 km. Allez, hop, on va finir ça. Oh, doucement, 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 on va terminer ça en roue libre. Et voir, allez, hop, on finit ça. Hop, Samuel Dubounet, donc il est à peu près à 19 km. Alors, il est où lui, Samuel Dubounet? Là, il est en train de faire la petite descente. Allez, hop, on va finir ça avec la G2R mondiale. Avant de faire la cérémonie protocolaire. Merci. Ça y est, hein, si tu veux me donner 100 euros, toi, 400 euros. Allez, donc 13 km. Allez, hop, on va aller faire un petit tour en Donfin. C'est bon, ça suffit là, les digueurs. Bravo les gars! Allez, hop, encore 10 km, donc allez, allez, hop, on va lui donner à fond, allez, Samuel Dubounet. Ah oui, c'est des faux dons, quoi.
Allez, hop, 7 km. Allez, 5 km pour Samuel Doulet. Je crois qu'il y a un champion de France Vichot, donc c'est pas Vichot, hein. C'est comment il s'appelle, hop, il y a Philippe Gilbert, donc ouais, donc on est ça y est, là on est dans un groupe de sprinteurs. Alors hop, on est à peu près à 2 400 km de l'arrivée, donc on en finit, donc on va aller voir la cérémonie protocolaire. Donc je pense que je vais avoir un trophée de plus, donc j'ai terminé le premier et second de l'étape. Donc j'ai mis, je pense, Alexis Villermoz et puis Pierre Latour devant. Allez, donc on arrive à ça. Allez, on va sprinter pour rien. Donc hop, c'est bon, la G2R est arrivée. Et on va aller voir la cérémonie protocolaire. Ah, je sens bien qu'il y aura des lâchés, je pense, et aussi des... hors délai. Allez, roulement de tambour. Cette étape est pour lui. Il a été plus fort. Qui c'est qui est, qui est arrivé? La mure, Serge Chevalier. Pierre Latour. Il a su maîtriser ses adversaires, s'imposer et en plus il est arrivé, en plus il va endosser le maillot du meilleur jeune. Ça c'est bien. Donc après, ensuite, ce sera... Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Romain Bardet qui va endosser encore une fois le maillot à poids. Romain Bardet! Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant il peut savourer. Allez, et Pierre Latour qui va endosser. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du meilleur jeune. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Ah mais ça y est, Pierre Latour. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Bon, ça y est. L'avant-dernière partie, elle est faite, donc demain, ça va jouer la dernière, l'étape 18, donc l'étape Briançon-Issoire. Félicitations à vous, on faisait partie des outsiders, vous avez réussi à battre les favoris, bravo obtenu trophée régime. Ah ben ça y est, donc j'ai deux trophées en compteur, ça y est, bon. Pierre Latour, Alexis Villermoz, donc il a à peu près 10 points, 6, allez, 10 points de bonification, 6 points. Après, Tom Dumoulin, nous on est 10e. Oh, c'est bon ça, c'est bon. Donc on a chopé combien? 65 points de plus. C'est bien, donc Mollema 25 points, Pierre Latour 22 points, Romain Peter Sagan, lui, il doit avoir le maillot vert. AG2R toujours premier, Romain Bardet il a fait 60 km de plus. Merci Breton, à demain, ciao ciao. Allez, classement général, Tom Dumoulin qui est toujours maillot jaune derrière Richie Porte qui a à peu près à 1,5. Chris Froome il a 1,21, Romain Bardet il a 2,11. Donc Romain Bardet, le résultat des courses, il a 183 points d'avance. Je dis bien 183 points d'avance pour le maillot poids. Donc je pense qu'on peut y arriver. Donc on va garder le maillot poids pour aller à Paris. Donc ça sera bien, nickel, nickel. Donc au classement du maillot vert, Tom Dumoulin. Oh, maillot jaune. Ah, maillot vert, Peter Sagan. Il a à peu près à 212 points, 215 points pour Tom Dumoulin. Ouh,
Ça va être chaud tendu pour l'arrivée à Paris. Donc Peter Sagan, je pense qu'il va reprendre les rênes. Il va essayer de reprendre les rênes. De... Allez, soyons fous. Donc Pierre Latour, bon ça va. Bon, on va le déclarer victoire du Tour de France du meilleur jeune. Donc le maillot blanc, lui, il ira bien à Paris. AG2R, donc il est premier du classement par équipe. Et Cyril Gauthier qui a repris la tête avec 445 km. Devant Rui Alberto Costa avec 433 km. Donc ça doit bouger dans les classements. Donc victoire réussie, donc on va essayer de marquer un peu plus de points pour Romain Bardet pour conserver le maillot à poids. Donc on a gagné l'étape, on a conservé le maillot à poids, on a conservé le maillot blanc. Donc faut faire attention. Donc je pense qu'il faudra mettre Geniez. Donc ouais, on n'a pas utilisé Anthony Geniez. Donc on va essayer de mettre Romain Bardet, bon peut-être en attaque Pozzo Vivo et Anthony Geniez pour demain. Donc on va aller voir l'étape de demain. Donc l'étape de demain, donc étape 18, donc Briançon Izoard. Donc demain qu'est-ce qu'il y en aura? Donc ça sera l'étape la plus courte ou l'étape la plus longue? Ah purée, en train de faire le petit tour. Donc hop, Isoer. Donc une étape de 180 km. Donc il y aura 3 cols. Donc le dernier col hors catégorie. Bonjour qui vaut tous. 25 points de plus. On va commencer le briefing de cette donc ça va être chaud tendu. Donc 3 points qui vaut 2 points. Donc on va aller voir ça. Alors voyons ça. Donc hors catégorie 25, 20, 16, 14, 12. Ok. Col de première catégorie. Ok. Ok, potage intermédiaire, zone de ravitaillement, secteur bébé, bon on s'en fout. Allez, côte deuxième catégorie, 5, 3, 2, 1, donc 2, 1 pour le maillot à poids. Donc faut aller voir ça plutôt à la fin de hors catégorie. Donc là ça va être chaud tendu, donc peut-être un bon roudeur, donc il faudra voir ça. Donc voir Romain voir mes coéquipiers de mettre dans les devants, donc parce que là ça vaut 10 points et après ça vaut 25 points. Et voir si on peut pas faire 50 points de plus. On va essayer de voir. Ensuite Embrun Salon de Provence, donc il n'y a pas trop. Après le reste, si on va jouer à la Baba Coula jusqu'aux Champs-Élysées, donc il faudra voir pour le maillot à poids. Et donc ça y est, bon je vais vous le dire, donc on va garder le maillot blanc jusqu'aux Champs-Élysées. Donc on verra ça pour demain. Donc Briançon Isoard. Donc hop, je vais quitter. Tac, je vais mettre le message pour demain. Comme ça sera fait pour demain. Message à l'intention des spectateurs. Ça y est, hop hop. Étape 18. 2 points écart. Allez, ouvrez les guillemets. Allez, hop. On va aller mettre Briançon, B-R-I-A-N, je crois Briançon avec un CCLI devant A-O-U, voilà, il faut mettre un petit CCLI, bon, C-O-N, hop, Isoard. Donc je serai là jusqu'à dimanche, jusqu'aux Champs-Élysées. Donc après ça sera repos pour moi. Isoard, hop, Isoard, Briançon, Isoard. Donc ça sera pour demain. Donc voici le message du bas. Donc
étape 18 Briançon Issoire. Donc on se retrouve demain à 20h sur la chaîne de Twitch. Donc je vous dis bonne soirée à tous et je vous dis à demain. Salut à tous, bye bye.